À l'église Saint-Bernard, dans le 18e arrondissement de Paris, s'est déroulé un événement inédit. Abir Nasraoui et la formation Au cœur du Soufi se sont produits en concert pour mêler les chants sacrés islamiques et chrétiens. Un concert qu'a honoré de sa présence Madame Bariza Khiari, sénatrice de Paris. Alors l'événement de ce soir, c'est la célébration du Maulid al-Nabawi, qui n'est pas une fête religieuse, qui n'est pas une fête canonique, mais qui est une fête qui est une fête traditionnelle. Dans tous les pays d'islam, c'est une fête traditionnelle. C'est une fête où on célèbre la naissance du prophète et c'est une fête où on montre que l'islam n'est pas en rupture ni avec le judaïsme, ni avec le christianisme et qu'il en est le continuum. Parce que vous allez voir les chants tout à l'heure, c'est des chants où on se remémore tous les prophètes. Et ça part de Moïse, Abraham, Marie aura une place extraordinaire ce soir, Marie mère de Jésus et bien sûr le prophète de l'islam. Nous avons souhaité le faire dans une église parce que nous souffrons actuellement de l'obscurantisme, de l'intégrisme. Et les chrétiens meurent, les coptes meurent, des soufis, les musulmans sont les premières victimes. Et nous avons voulu dans une église parce que les religions, le terme religion, c'est relié, rassemblé. Donc on a souhaité ce soir, en hommage à tous ces gens, le faire ici pour marquer le rassemblement des gens qui croient en l'humanité. En humanité joyeuse, ouverte, tolérante, dans le respect des uns des autres.